radio. Je suppose que vous êtes d'accord. Oui. Donc c'est Serge Berry, qui est un accordéoniste que vous connaissez, je suppose, compositeur né dans le Cher. Son répertoire se compose de belles mélodies sur le thème du Berry, et on le retrouve sur toutes les grandes foires de la région avec son accordéon, son grand chapeau et sa belle moustache. On n'a pas des spécimens comme ça aujourd'hui. Peut-être que dans l'assistance, il y en a qui ont des chapeaux, des moustaches, et non, il n'y en a pas. Je vais dans l'eau large.
réussi à chanter l'année dernière, mais vous vous en souvenez pas. Et puis, en plus, on vient qu'on aime bien. Donc, c'est celui qui est considéré comme l'hymne officiel de l'Occitanie. L'auteur est inconnu, mais Gaston Phébus. Ça remonte à 1331. Personne n'était né dans la salle. Qui était alors comte de Foix et vicomte de Béarn, seul l'est approprié à cette époque-là. Il le chante pour sa belle, qui a rejoint la Navarre. Des rumeurs disent aussi que sa dulcinée est partie. Parce qu'il n'était pas bien fidèle. Et en 1966, eh bien Marcel Hamon la chante sous le titre Les Espagnols dans la salle vont dire que je prononce pas bien. Aqueras Montaños, ça peut-il aller là Ça peut aller? Bon, ça va. Donc c'est canto. Ce chant, eh ben, c'est pas moi qui le dirige parce que je vous l'ai déjà dit les autres années, je suis pas tout le temps là le mardi.
Et quand je ne suis pas là, c'est Annie qui me remplace. Et c'est Annie qui a fait... qui a entraîné le groupe avec ses chants, là. Donc, et ben, c'est les cloches de Lisbonne. Donc là, elle va faire chanter les cloches. D'accord.
pas essayé de faire bien, mais je pense qu'ils ont bu avant de venir.
Mariano interprète ce morceau, créé en 1951, dont la musique a fait le tour du monde. Vincent Niclot et Kenji Girac la reprennent plus récemment. Eh bien, c'est Bessamé Micho. Et je suppose que peut-être que dans la salle, eh bien, il y en a qu'on flirté. Sur l'air de ce slow. Thank you.
c'est Je chante avec toi, liberté. Vous la savez aussi? Eh bien, vous pouvez peut-être la chanter avec nous, hein. Par contre, il faut la chanter au même rythme que nous, hein. Le sang de Dieu.
cas où. Alors là, on va vraiment rester dans le sud quand même, parce qu'on va vous chanter quelques chants de Tino Rossi de 1945, le chant du gardien. Oh.